Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire utiliser le pousser-étirer, l'outil pousser-étirer et l'outil mettre en couleur. Pour commencer, on va faire l'outil pousser-étirer. Alors, pour commencer, faut faire une face n'importe comment, ronde, voilà. Même avec des traits, on peut les faire. Comme ça. Et voilà. Donc là, on a fait des figures au sol en 2D. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est les mettre en 3D. Donc, on va prendre cet outil qui est ici. Et on va monter. Ou descendre, comme on veut. On peut faire ce qu'on veut avec ce logiciel. C'est sympa. Voilà. Je mets un petit bordure. On peut même y caler les faces. Voilà. Non, ça nous fait ça. Ça nous a mis un peu de volume, mais ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave. Car maintenant, on va lui donner de la couleur. Pour mettre de la couleur, on clique sur cet outil. S'il est enlevé, vous cliquez dessus. Ça le met. Et il y a un escalier de choix pour les couleurs. Vous choisissez. Et par exemple, là, je vais mettre du vert translucide. C'est transparent. Après, on peut mettre de la résine. On peut prendre d'autres choses. On peut prendre du couvre-sol. Tac. Et aussi, on peut utiliser l'outil entrée majuscule. Cliquez. Et ça vous fait tout ce qui est sur la même hauteur, tout ce qui est à la même hauteur et qui est pas colorié. Et après, on peut faire contrôle. Par contre, ça vous fera tout ta figure. Voilà. Au revoir à tous, à tous. C'était un tuto pour apprendre à utiliser le pousser-étirer et l'outil colorier. Au revoir.